Salut à toutes et à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode d'Opium Découverte avec le jeu Firewatch. Je vais tenter de vous en parler sans spoiler le scénario, qui est un point central du jeu. Tout simplement, on va pas parler du scénario. On va donc commencer par le début, ça fait 2 ans que le jeu est en projet, et le trailer de l'E3 2015 a suscité pas mal d'encouragement pour ce titre. Firewatch est donc finalement sorti ce 9 février sur PC et PS4, et autant le dire tout de suite, il est entièrement en anglais, avec sous-titres possibles mais pas en français. Il paraît qu'un patch pourrait bientôt sortir, mais en tout cas, si vous ne maîtrisez pas la langue de Shakespeare, vous pouvez déjà arrêter cette vidéo et ne pas tenter le jeu. Bah tiens, vous avez qu'à aller voir un de mes premiers tests de jeu sur Master System, au moins vous pourrez rigoler. Bref, Firewatch est le premier jeu du studio Campo Santo, et autant dire que l'équipe derrière ce projet avait de quoi attirer les lumières, puisqu'on retrouve des anciens de chez Telltale Games, de Double Fine Studios ou de Clay Entertainment, autant dire des spécialistes du jeu d'aventure. On a donc un scénario et des dialogues écrits par les auteurs de la saison 1 de The Walking Dead, Sean Vanaman, ça commence bien, et ensuite des programmeurs de Bioshock 2, Mark of the Ninja, Gone Home ou Ori and the Blind Forest, une belle équipe donc aux commandes pour ce Firewatch que beaucoup qualifient péjorativement de simulateur de marche. Alors c'est vrai qu'on va beaucoup marcher, mais le jeu est surtout basé sur une aventure avec énormément de dialogues et du suspense. Le jeu débute par une introduction qui nous explique qui nous sommes et un peu notre histoire dans une interface des plus basiques avec quelques réponses alternatives qui nous prendra un bon quart d'heure à lire et nos réponses n'auront par ailleurs aucune influence sur la suite. En gros, l'histoire se passe en 1989 et nous allons jouer le rôle d'un certain Henry qui vit quelques difficultés sentimentales avec sa femme Julia qui est malade, le mariage est consumé et Henry décide de prendre un job d'été loin de la civilisation afin de se ressourcer et de se retrouver. Il choisit donc de rejoindre une forêt du Wyoming complètement paumée afin de tenir le rôle d'un genre de garde forestier devant surveiller le moindre départ de feu autour de lui et de sa tour de contrôle, la fameuse Firewatch. À notre arrivée à la tour, nous allons faire la connaissance d'une certaine Delilah, qui est notre chef, qui fait ça depuis plus de 10 ans, qui connaît bien son job et la région, et qui va grandement nous aider à prendre notre job. Elle occupe une autre Firewatch, alors on dit plutôt Lookout dans le jeu, qui est située à quelques kilomètres de là, et toutes nos discussions vont se passer à l'aide de talkie-walkie. Tout le jeu sera basé sur les dialogues entre les deux protagonistes quadragénaires, sur leurs relations, avec des embranchements, des réponses alternatives, mais qui malheureusement suivent tout au long de l'aventure un fil directeur, donc on s'écarte quasiment pas, même si la qualité des dialogues est tout de même à souligner pour leur qualité. Henry n'est pas vraiment un super-héros, il n'a pas d'armes, il n'est pas peureux mais pas toujours rassuré en forêt. Cette aventure va en apprendre beaucoup sur lui-même, c'est un jeu assez mature, un genre d'introspection qui ne touchera sans doute pas un adolescent, donc anglophile de moins de 18 ans, passez votre chemin. Heureusement, Delilah est là, elle va souvent rassurer Henry. Elle est toujours pendue à sa radio avec ses mots croisés, sa bouteille de tequila à portée de main. Une magnifique voix douce, elle a beaucoup d'humour malgré un petit côté dépressif et torturé. Elle nous sera d'une grande aide pour nous guider dans le jeu. Les deux acteurs qui prêtent leur voix à Henry et Delilah sont vraiment excellents et rendent l'aventure très immersive. That's probably Dave Gaskell. He's completely nuts. Is that right? Armless, but yeah, one of those, you know, fall off the grid and eat ants for a week type. Totally fucking cuckoo. Which is kind of what the job attracts. Hey, there's a snack in here. Probably gonna eat it. You definitely do not want to do that. Whatever's in there has been in there for years. That's how you get food poisoning. Alors je savais que le jeu était assez court, en effet il ne vous faudra qu'à peine 4 ou 5 heures pour le finir, et afin de mieux en parler, il fallait que je le finisse. Mais même sans y être obligé, c'est vrai que le scénario nous tient en haleine tout le long, c'est très prenant et si on est réceptif, on a du mal à décrocher. Alors je vais pas vous spoiler le scénario, mais l'histoire commence quand Delilah aperçoit des feux d'artifice en pleine forêt, proche de notre tour de contrôle, et nous ordonne d'aller voir ce qui se passe. L'histoire se déroule sous forme de jours, jour 1, jour 2 et 3. Bon alors par contre après on passe au jour 9, 15, 34, 64. C'est assez bizarre, alors que l'histoire se met en place avec pas mal de suspense, on saute une quinzaine de jours sans que rien ne se passe, c'est plutôt étrange. Alors non, promis, je ne vous parlerai pas de cet homme mystérieux que l'on va rencontrer furtivement au jour 3. Ah merde, j'ai spoilé, désolé. Bon, après avoir découvert les feux d'artifice, on se rend compte qu'il s'agit de deux jeunes filles qui sont venues en randonnée et qui s'amusent. On les retrouve imbibées d'alcool à poil dans le petit lac. On leur demande gentiment de dégager du site et d'arrêter les feux d'artifice. Et les filles vont tout simplement disparaître. Et voilà, je n'en dirai pas plus sur le scénario, seulement que même si l'histoire est intrigante et plutôt bien ficelée, on reste souvent sur notre faim. Il n'y a d'ailleurs qu'une seule fin et qui devient vite prévisible. Beaucoup de joueurs signaleront leur déception quant au scénario, donc si vous comptez essayer le jeu, évitez de lire trop d'avis sur le scénario, sinon ça vous foirera complètement cette aventure, qui du coup se plie en à peine 4 heures, et donc sans aucune rejouabilité.
Un article sur jeuxvideo.com cette semaine a parlé d'une recrudescence de remboursement du jeu sur Steam, puisqu'en effet Steam permet de rembourser un jeu si on y a joué moins de 2 heures sur un jeu acheté il y a moins de 15 jours, et 2 heures est quand même une durée importante pour faire la moitié du jeu, voire tout le jeu si on explore que dalle et qu'on part en ligne droite. Les développeurs de Campo Santo ont alors répondu à ces remboursements en disant en gros que le studio avait passé 2 ans sur le jeu, une dizaine de personnes travaillant dans une petite salle, qu'ils avaient fait leur jeu avec le cœur, avaient beaucoup travaillé, ne sachant pas si d'autres apprécieraient le jeu autant qu'eux quand ils l'ont fait. Bref, un message très personnel et touchant pour faire comprendre aux joueurs d'éviter le remboursement abusif. Mais bon, en même temps, le jeu coûte 20€ sur Steam pour 5 heures de jeu. Le prix semblait raisonnable pour Campo Santo, étant donné l'expérience vécue, mais tous les joueurs ne sont pas de cet avis. Bref, on revient un petit peu au jeu en lui-même. Alors je l'ai fini, donc je peux vous dire qu'il m'a bien accroché. Les dialogues, même s'il manque cruellement d'embranchements, sont très bien écrits. La relation entre Henry et Delilah est très touchante. Sa douce voix et son humour sont toujours là pour nous rassurer et nous guider. Alors j'ai pas toujours saisi le sens des dialogues, il y a bien les sous-titres en anglais. Dans certains cas, il faut un minimum de vocabulaire, mais sinon on arrive à suivre à peu près l'histoire, même si on n'est pas bilingue. D'ailleurs, si vous voulez suivre l'aventure en français avant que le patch arrive, s'il arrive un jour, je peux vous conseiller le let's play d'Atomium sur sa chaîne YouTube. Alors de 1 parce que c'est un très bon let's player et de 2 parce qu'un de ses amis a traduit les dialogues. Passons maintenant à l'aspect technique du jeu. Tout d'abord, il faut reconnaître que la direction artistique est impeccable, hein, on en prend plein les yeux. C'est pas du photoréalisme, le jeu a été fait avec le logiciel Unity, donc il est assez gourmand et demandera minimum 6Go de RAM. Donc moi avec mes 4Go, ça a passé un peu, excepté à quelques moments. Alors le jeu est beau, les décors sont magiques, on est rarement en pleine nuit, on dort à chaque fois dans notre tour, la carte n'est pas très grande mais l'exploration est bien présente, le fameux simulateur de marche, on en effet beaucoup marché d'un point A à un point B, mais ça reste toujours agréable. À la fin de l'aventure on connaîtra parfaitement les alentours, on aura de moins en moins besoin de notre carte et de notre petite boussole, on repasse souvent aux mêmes endroits, ce qui pourrait lasser parfois, mais les jeux de lumière du matin, de l'après-midi et les couchers de soleil sont très bien réalisés, dans cet environnement très vide, il n'y a pas de vie sauvage, juste des arbres, des plaines, et des putains de rochers et de murs invisibles qui nous bloquent le passage parfois. Des cordes illimitées nous permettent de prendre des raccourcis et on se perd volontiers dans cette nature. Alors c'est très beau de loin, mais par contre de près le jeu est assez faiblard techniquement dans les textures. Paraît que la version PS4 a plus de problèmes sur ce point-là que la version PC, mais l'ensemble reste très correct. C'est surtout pour l'ambiance qu'il faut aller vers le jeu. La musique est très discrète, de petites mélodies qui se lancent agréablement quand un événement important de l'histoire va survenir, très immersive et qui renforce le suspense, la couardise de notre héros à certains passages. Le gameplay dans l'ensemble est très simpliste, hein, on peut collecter des objets, d'autres objets sont là juste pour le décor, comme par exemple ce ski posé contre un arbre, pas trop compris ce qu'il foutait là. Donc on n'a pas d'armes, juste nos mains, et certains objets sortent de notre sac toujours au moment où on en aura besoin. L'interface est simple, pas de chichi sur ce côté-là, pas de gestion de nourriture ou d'items, c'est avant tout une aventure, pas un survival, même si l'ambiance nous fait penser parfois à du survival en plein jour, ça prouve que le jeu est très réussi, mais pourra ne pas accrocher certains joueurs, car comme je l'ai déjà dit, on marche beaucoup, mais notre talkie-walkie nous permet souvent de passer le temps, en discutant avec Delilah et en lui racontant tout ce qu'on voit, tout ce qu'on croise, tout ce qu'on ramasse, bref, un jeu beaucoup basé sur cette relation entre les deux héros du jeu. Alors que dire d'autre sur ce jeu que l'ambiance visuelle et sonore nous plonge complètement dans l'aventure? On n'en attendait pas moins de la part de l'auteur de The Walking Dead saison 1, une excellente narration donc, même si la fin laisse un sentiment bizarre tout de même, on s'attendait à autre chose, des choses qui ne viennent pas en fin de compte, apportant une certaine frustration. Même si le jeu est bon, on reste un peu sur notre faim, certains diront tout ça pour ça. C'est un petit jeu indé qui n'a pas l'ambition d'un gros jeu d'aventure à la Telltale Games, c'est vendu quand même 20€, donc c'est pas donné, malgré d'excellentes notes sur Metacritic, avec par exemple un 17 sur 20 pour jeuxvideo.com, voire même un 93 sur 100 pour IGN, les joueurs eux sont plus partagés sur la qualité du titre. Alors moi perso j'ai bien aimé, par contre c'est assez dirigiste et très scripté, Delilah va nous interpeller à certains passages, pas avant, certains jours ne durent que quelques minutes et sans gameplay, juste quelques dialogues, genre comme une cinématique, par exemple un jour alors qu'une partie de la forêt s'embrase sous nos yeux, Henry et Delilah discutent paisiblement sur le balcon de leur tour et parlent de tequila, dans une banalité un petit peu déconcertante. On saute du jour 34 au jour 64 en quelques minutes, en quelques phases sans gameplay, c'est quand même assez bizarre. Bref, voilà ce que je pouvais dire sur ce Firewatch, un titre à essayer. Si vous aimez les jeux d'aventure avec de l'exploration assez dirigiste, alors je sais c'est assez contradictoire, mais c'est Firewatch. L'aventure et le scénario restent tout de même très satisfaisants pour ma part, même si 20€ c'est assez cher. J'espère vous avoir donné envie d'essayer, en tout cas donner des pistes pour voir si le jeu peut vous plaire. Vous serez sans doute plus touché si vous avez la trentaine que si vous avez 15 ans. C'est pas méchant, mais c'est un petit peu vrai. Merci en tout cas d'avoir suivi cette Opium découverte, j'espère qu'il vous aura plu. Merci de votre soutien, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo sur ma chaîne. A bientôt, ciao!
did probably piss off the girls at the lake. Ugh, fuck them. Well, I'll have the Rangers keep an eye out for a couple of young women and question any they find. I can't believe someone would do this. I worry about bears and fires, and that's about it. And now I've got to worry about some... what, violent campers?